objet nombre, SCP-4. Les 12 clés rouliers. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale, lors de la manipulation des objets SCP-4-2 à SCP-4-13, la procédure appropriée doit être appliquée à la lettre. Les objets ne sont pas autorisés à sortir en dehors du site sans être accompagnés par deux membres du personnel de sécurité de niveau 4. En aucun cas l'une des composantes de SCP-4 ne doit être extraite de SCP-4-1. Les effets qui en découlent sont encore inconnus, et l'actuel coût des expérimentations rend de futures recherches impossibles. Si l'un des objets contenus provoque une brèche du confinement ou si l'installation passe aux mains des forces ennemies, les clés doivent être ramenées à l'intérieur du bâtiment et la porte fermée avant l'activation de l'ogive du site 62. Tout déplacement non autorisé des clés hors de la zone d'essai est un motif d'élimination immédiate. Une accréditation de niveau 1 est nécessaire pour tout accès à SCP-4-1, une de niveau 4 est nécessaire pour l'utilisation de SCP-4-2 à moins 13. Description: SCP-4 se compose d'une porte de grange en bois ancien SCP-4-1 et d'un ensemble de 12 clés en acier rouillé SCP-4-2 à SCP-4-13. La porte elle-même est l'entrée d'une usine désaffectée à données supprimées. Histoire chronologique. 2 juillet 1949, un groupe de 3 adolescents pénètre illégalement dans une propriété fédérale à proximité de et trouve la porte. Selon leur témoignage, ils ont trouvé un trousseau de clés rouillées dans une boîte postale l'enfer et ont conclu que les clés déverrouillaient cette porte. Ces derniers sont placés en détention après être entrés en contact avec le shérif lorsque l'un de leurs amis SCP-4-K01 disparaît. 3 juillet 1949, les autorités locales ont trouvé la main droite coupée de SCP-4-K01 à 8 km de SCP-4-1. D'autres parties du corps de SCP-4-K01 sont retrouvées éparpillées dans un rayon de 32 km autour de l'usine. Grâce à l'interrogatoire, les mineurs appréhendés disent aux autorités que, lors de l'ouverture de la porte avec une des clés, SCP-4-K01 a été déchiré en plusieurs morceaux et chacun d'eux disparu. À ce stade, la fondation SCP prend le relais de l'enquête. 4 juillet 1949, l'agent obtient les clés des autorités locales afin de commencer les tests. Ces derniers montrent que SCP-4-2 à SCP-4-13 rentrent toutes dans un seul verrou sur la grande porte. 12 membres du personnel de classe D sont affectés pour tester les effets de la porte. Sur les 12 sujets essayant une clé pour entrer dans la pièce, seulement 2 survivront. D'ouvrir la porte avec n'importe quelle clé autre que SCP-4-7 et SCP-4-12 a causé un démembrement des sujets, mais aucun des membres démembrés n'a été retrouvé plus tard. Au moment de la rédaction de ce rapport, seulement 2 parties de chaque sujet ont été récupérées à l'exception du sujet utilisant SCP-4, dont les pièces arrachées ont été dispersées à proximité, les autres ont tout bonnement été effacées de la réalité. Sur les 2 sujets survivants, un seul ayant utilisé SCP-4-7 est réapparu sain et sauf. L'autre est revenu dans un état quasi catatonique, seulement capable de revenir de la salle avant de s'effondrer sur le sol et a dû être retenu de force afin de l'empêcher de se crever les yeux par l'annexe A. Les effets sur la santé mentale de SCP-4-12. Le sujet utilisant SCP-4-7 annonça qu'il était entré dans une grande salle, incroyablement grande pour la taille réelle du bâtiment adjacent. Après sa sortie, SCP-4-1 a été laissé ouverte et une escouade armée de niveau 3 est entrée. La taille de la salle est impossible à mesurer, le cadre de la porte et les personnes dans la salle sont les seules choses capables d'être touchées ou éclairées. 16 juillet 1949, les jeunes et le shérif sont élus. 2 août 1949 est déclarée comme zone dangereuse pour cause des explosifs militaires non désarmés et une clôture est érigée pour empêcher toute intrusion civile. Des tests visant à déterminer les risques de l'exposition à l'environnement derrière SCP-4-1 commencent. 12 janvier 1950, des anomalies de l'espace-temps résultant de l'exposition à SCP-4 sont confirmées. Le test est suspendu jusqu'à nouvel ordre. 3 juillet 1949, les restes non répertoriés de SCP-4-K01 sont apparus de façon inattendue en dehors de SCP-4-1. En dépit qu'il ait été tué des décennies auparavant, les restes de SCP-4-K01 ne sont pas décomposés et sont encore chauds au toucher. Le sang n'a pas coagulé. Les restes sont en détention provisoire pour d'autres tests.
4 juillet 19, les restes non répertoriés de l'un des 12 sujets apparaissent de manière similaire à ceux de SCP-4K01, les restes ont été désignés SCP-4K02, les enregistrements montrent que SCP-4K01 et K2 ont tous les deux utilisé SCP-4. 21 mars 1999, avec la prolifération massive d'armes nucléaires et n'étant plus qu'à l'an de la Troisième Guerre mondiale, la construction d'un abri a commencé à l'intérieur de SCP-4-1, le site est utilisé pour le stockage de ressources pour personnes jour. 21 avril 1999, a ordonné que l'intérieur du site de SCP-4-1 soit élargi pour inclure le stockage d'urgence pour tous les spécimens mobiles SCP ainsi qu'une base de pétaoctets de données pour le stockage de toutes les données concernant les objets SCP. L'installation est maintenant désignée comme le site 62. 25 septembre 2000, le site 62 est opérationnel. Les laboratoires et unités de confinement sont installés et peuvent contenir les spécimens les plus dangereux. La sauvegarde de la base de données de la Fondation a commencé. 25 janvier 2001, à cause des anomalies temporelles voire anomalies de l'espace-temps ci-dessous, tout le personnel travaillant au site 62 est désormais tenu de résider en permanence sur place. Les familles du personnel doivent être informées que leurs proches ont péri dans un accident du travail. Des corps clonés ont été préparés pour les funérailles. 14 juillet 2003, panne d'électricité massive dans tout le nord et des États-Unis et à travers le Canada. En raison de la panne de plusieurs générateurs électriques, le site 62 est resté sans électricité pendant 53 minutes. Pendant ces 53 minutes, les résidents du site n'avaient aucune source de lumière à disposition. Ils ont rapporté pouvoir sentir des créatures et des personnes, même si aucune des entités anormales ne pouvait être vue ou touchée. Des membres du personnel sélectionné ont été autorisés à lire annexe rapportant que les créatures senties étaient de taille humanoïde, mais par ailleurs semblables à la massive créature verte décrite. Anomalie de l'espace-temps. SCP-4 semble propager des anomalies spatio-temporelles. Le personnel quittant la périphérie de l'installation déclare avoir perdu du temps. Ceux qui ont été dans le site pendant plusieurs semaines insistent et disent qu'ils ont été dans l'établissement seulement plusieurs jours, et les dossiers des travaux effectués ainsi que les ressources consommées appuient leurs revendications. D'autres anomalies temporelles impliquent SCP-4-2 jusqu'à -13, en particulier la réapparition de SCP-4K01 et SCP-4K02 exactement en après l'utilisation de SCP-4, a été chargé d'enquêter sur tous les aspects de ces anomalies temporelles. Les anomalies spatiales incluent les dimensions anormalement grandes de la zone ouverte par SCP-4-7. De même, l'incident du blackout de 2003 suggère qu'il existe un plan physique alternatif dans le même espace que celui que le site 62 note complémentaire. Les essais sur SCP-4 révèlent que 10 des clés ouvrent SCP-4-1 sur une dimension où les lois de la physique et de la topologie sont significativement différentes de celles de notre dimension. Les sujets envoyés dans ces conditions hostiles sont démembrés et les parties de leur corps expédiées dans des endroits différents, dont 3 seulement ont été vérifiés être sur Terre. La matière déposée aux 2 premiers points réapparaît immédiatement, celle déposée au 3e point apparaît exactement dans le futur. Les 7 autres emplacements sont actuellement inconnus. Les tests actuels se concentrent sur 2 axes de recherche. Le premier est de trouver des moyens de survivre à la topologie hostile de SCP-4, le second donné supprimé suggère que SCP-4-2 à -13 peut ouvrir d'autres portes que SCP-4-1. Appendice A, les effets sur la santé mentale de SCP-4-12. Tous les classes D utilisant SCP-4-12 revient dans un état catatonique, incapable de parler. Certains peuvent avoir assez d'énergie pour essayer de s'arracher les yeux. Sur les 16 sujets, seulement 4 ont survécu. Un seul a retrouvé la parole, à la suite d'une psychothérapie à long terme. Il était capable de dire au psychiatre qu'il a vu une immense créature verte, si grande qu'une grande partie de son corps s'étendait au-delà de son champ de vision. Il rapporte l'apparition d'une peur naturelle et de reconnaissance soudaine, comme si c'était enfoui dans des peurs primitives ainsi que l'implantation de souvenirs incompréhensibles dans son esprit. Le sujet affiche une amnésie antérograde et rétrograde aiguë. Appendice B. Objet nombre, SCP-4-14.
Date de découverte, de septembre 1950. Origine de l'objet. L'objet a été découvert ailleurs dans la zone de l'usine, dans le bureau du gestionnaire récemment découvert. Description, l'objet apparaît comme une grande 182 cm x 129 cm boîte en bois. La boîte peut être déverrouillée par la clé sans danger, SCP-47, ainsi que 5 des clés dangereuses voire documents SCP-41. Lors du déverrouillage de SCP-414 avec SCP-47, la boîte s'ouvre automatiquement. Le volume de l'espace intérieur est précisément 5 fois plus grand que les dimensions extérieures. Des objets placés à l'intérieur tandis que le couvercle reste ouvert n'affectent ni le poids ni les autres propriétés de la boîte. Cependant, lorsque le couvercle est fermé et verrouillé, tous les éléments à l'intérieur disparaissent irrémédiablement. Les membres du personnel enfermés à l'intérieur de la boîte ont aussi irrémédiablement disparu, bien que perdre du personnel de cette façon semble affecter de manière significative les rêves vécus par d'autres.